7 Pod, man. Ce message est très important pour les cobras, les chiens qui travaillent pour 8%. Les cobras, réfléchissez bien. Quand 8% ne sera pas là demain, vous serez quoi? Vous serez quoi? Est-ce que vous serez toujours au Congo-Brazzaville à ce moment-là? Je ne pense pas. Réfléchissez bien les cobras. Sassou vous utilise. Il vous utilise parce qu'il vous prend comme ces boys, ces chats, ces travailleurs pour aller faire le sale boulot, tuer des vies. Oui, le tien vous dit rien que la vérité. Mes chers, mes chers frères, vous êtes nés soi-disant au Congo, mais vous êtes des tueurs d'un salopard de mer. 8%. 8% vous considèrent pas. Ils vous utilisent. Est-ce que vos parents vous ont mis au monde pour servir un tueur, des tueurs? L'homme de Mopila, l'homme de Oyo, réfléchissez bien. L'homme de Mopila, l'homme de Oyo, la Bimbushi, Aoussa, venant d'ailleurs, vous utilise, mes chers frères, oui, les cobras. Voilà. Oyo ressemble qu'à une boîte de sardines. Une boîte de sardines, là où les poissons sont serrés. Mais nous, région du Pôle, nous allons en terminer avec ce petit village d'Oyo. Oyo, ce sont que les Abemouchi qui vivent là-bas. Des Aoussa, venant d'ailleurs. Et sans oublier des Biafra, de mer. Oyo ressemble à une petite boîte de sardines. C'est là-bas où les hommes de 8% massacrent. Immensement, ils descendent à Brazza. Ils vont au Pôle pour massacrer immensement. 8% s'attaque jamais en tuant les gens du Nord. Mais, par contre, ils les envoient pour aller mourir au Pôle. C'est des sacrifices de 8%. 8% Sassou, 666, né, soubiri. 8% Sassou, 666, né, soubiri. Oui, les cobras, réfléchissez bien. 8% vous utilise aujourd'hui, mais pensez à demain. Qu'est-ce que sera vos vies? 8% vous utilise aujourd'hui, réfléchissez bien. Les cobras, 8% vous utilise aujourd'hui, mais qu'est-ce que deviendra vos vies demain? Réfléchissez bien. Les cobras, ce message est très important pour vous. Les cobras, 8% vous utilise aujourd'hui. Le terroriste numéro 1 vous utilise aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous avez pensé à vos vies? Est-ce que vous avez pensé à vos vies? 8% vous utilise aujourd'hui, mais est-ce que vous avez pensé à vos vies? Je ne pense pas. Oh les cobras, c'est très triste. C'est très triste pour vous. Ils vous utilisent aujourd'hui, mais est-ce que vous avez pensé? Les cobras, 8% vous utilise aujourd'hui. Est-ce que vous avez pensé? 8% l'homme à la coiffe du diable vous utilise aujourd'hui, mais est-ce que vous avez pensé à vos vies les cobras? Est-ce que Les cobras, écoutez-moi, 8% vous utilise aujourd'hui. Est-ce que vous avez pensé à vos vies? Est-ce que vous avez pensé à vos vies? Voilà. C'est parti. Les cobras. L'homme à la coiffe du diable vous utilise aujourd'hui. 8%, le démon. 8% le démon.
l'enfoiré de merde, vous utilisez aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous deviendrez quand 8% ne sera plus là? Réfléchissez, les copains. Réfléchissez. 8%, 500, 666, soubiri. Réfléchissez. Les cobras, ce message est pour vous. Réfléchissez. Abou Sassou, le grand tueur des tueurs du peuple congo. Oui, les cobras, réfléchissez. 8% vous utilisez aujourd'hui, mais qu'est-ce que deviendra vos vies demain, quand il ne sera pas là? Réfléchissez bien. Histoire à suivre. Oui. Histoire à suivre. Les cobras. Vous qui tuez immensément au Congo, vous faites plaisir à 8%. Les cobras. Qu'est-ce que deviendra vos vies quand 8% ne sera pas là? Réfléchissez. 8% vous utilise. Oui, les cobras. Ils vous utilisent. 8% vous utilise. Où est Zulubad? Réfléchissez. Hier, Zulubad était entouré avec vous. Il est où aujourd'hui? Il est où, Zulubad? Il est où? Les cobras, réfléchissez bien. 8% vous utilise. Et quand il ne voudra plus de vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous tuer. Oui, il va vous tuer. Réfléchissez bien, les cobras. Réfléchissez bien. Je vous le dis, réfléchissez bien. Oui, Zulubad. Oui, Zulubad, le tueur de tueurs. Lui qui faisait beaucoup de bon boulot pour 8%. Il est où? 8% l'a tué, il est sous terre. Et sous terre, quand on l'a mis sous terre, la terre l'a rejeté. 27 hard, man. Zulubad, en enfer, il est torturé 24 heures sur 24. Réfléchissez bien, les cobras. Vous qui aimez faire les sales boulots, dont 8% ne peut pas les faire, dont 8% ne peut pas envoyer Edgar, pipi, caca ou les autres, dont il ne peut pas envoyer Kiki, caca, pipi, Nguesso pour aller tuer au poule. Il ne les envoie pas. Il n'envoie pas ses enfants, hein? Mais il envoie les enfants des autres. Mais réfléchissez bien. Les cobras. Est-ce que vous avez pensé à vos vies demain quand 8% ne sera pas là? Ah, 8% vous utilise. 8% vous utilise. 8% vous utilise. Oui, Zulubad. Faites-moi le savoir, les cobras. Il est où, Zulubad? Zulubad, qui aimait faire le sale boulot de 8%. Il est où, Zulubad? Les cobras, avez-vous pensé à demain? Quand 8% ne sera pas là. Quand vous avez tellement accompli de devoirs pour 8%, qu'est-ce qu'il fait? Il vous tue. Quand vous avez tellement accompli de bons devoirs, du fou de fou, psychopathe, mythomane, qu'est-ce qu'il fait? Il vous tue. 8%, le tueur des tueurs du peuple congo. Attention les cobras. 8%, ah, l'assassin du président Marien Gwabi. L'assassin, 8% du président Masson Badeba. Il a tué Masson Badeba et il l'avait donné au lion de parasologique. Réfléchissez bien. Ah, les cobras, les travailleurs bons de Sassou. Sassou fera autant. Il vous donnera demain à des lions du parc ou à des crocodiles. Réfléchissez bien. Ah.
Ah, oui, Poisson, vous faites le sale boulot de oui, Poisson, mais demain, oui, Poisson ne vous reconnaîtra pas. Oui, c'est comme ça que oui, Poisson réfléchit. Réfléchissez bien. Les cobras. Aujourd'hui, vous faites des sales boulots de sarceaux. Vous êtes contents, les cobras. Vous êtes contents. Mais est-ce que demain, les cobras? Oh, les cobras. Est-ce que demain, quand vous sarceaux ne sera pas, est-ce que vous serez encore là? Réfléchissez bien. Les cobras, vous faites les sales boulots. Vous allez tuer. Vous êtes les bogues de mes poissons. Vous êtes ces travailleurs. Ah, les bogues. Les cobras sont les bogues de mes poissons. Ils vont faire des sales boulots. Vous voyez plusieurs Congolais à la mort. Leurs propres frères. Oh, mes poissons vous utilisent juste pour son pouvoir. Pendant ce temps, est-ce que vos femmes mangent à la maison? Est-ce que vos enfants mangent? Est-ce que vos enfants vont dans des écoles privées? Ou est-ce que vos enfants vont en Europe? Ah, les cobras! Oui, poussons vous utilisent. 8% Sassou, 666, Néné, Soubiri. Les cobras, Néné, Bacobra, Néné, Soubiri. Les cobras ont fait caca sur eux et ont fait pipi sur eux après avoir compris qui était Sassou. Mais trop tard, Sassou les a tellement utilisés pour massacrer leurs propres frères et leurs propres sœurs à cause de son pouvoir. Mais les cobras n'avaient pas compris que 8%, hein, Sassou 666, Néné, Soubiri. 27 hard bitch. Les cobras. Font le sale boulot de 8% sans comprendre qui est réellement 8%. Mais ils font le sale boulot de 8% sans comprendre qui est 8%. Les cobras. Ah, Néné, Soubiri. 8%, 8%, Sassou, 666. Néné, Soubiri. Les cobras, les tueurs font des sales boulots au pour massacre. Ils ont toujours fait des sales boulots. Les disparus du beach, les cobras. Hein? Non, les cobras. Maintenant, c'est aux poules. Histoire à suivre. Ingeta. Donc, le tiers dira toujours la vérité. Les cobras font le sale boulot de 8%. Ils tuent. 8% les envoient aller massacrer aux poules. Et ils vont massacrer. Mais les cobras se font utiliser par 8%. Est-ce que 8% prend les cobras comme ses enfants? Niet. 8% les prend pour ses boys. Pour ses chiens boys. Voilà la vérité. Donc vous étiez en direct avec le tien, africain, Georges Passy, le vrai guerrier, et le vrai guerrier, le résistant de force, Georges Passy, il continuera toujours à composer contre le clan qui font des sales boulots pour 8%. Oui, 8% Sassou, 666, Néné, Soubiri. Voilà le titre. Bye bye.